souhaite la bienvenue à toutes les académies du G7. Et je souhaite que mes collègues puissent bénéficier des interactions fructueuses qui vont surgir de nos réunions. La science a complètement bouleversé toutes les sociétés et de tout temps, mais encore plus maintenant. Je dirais que la science et la technologie qui accompagne la science prend une place absolument considérable dans la vie de nos concitoyens. Et donc il est essentiel qu'il y ait une réflexion qui est donc une réflexion internationale et qui soit portée à la connaissance des chefs de gouvernement. Dans la mesure où ces connaissances qui font avancer, je dirais, notre manière de vivre, posent en même temps des problèmes considérables vis-à-vis de la société. Et donc notre travail est de repérer, d'anticiper les conséquences de nos découvertes, des innovations technologiques et de leur retentissement au niveau de la société en général. Donc la première porte sur science et confiance. L'objectif, c'est d'essayer de comprendre comment on peut mieux gérer la relation entre la science et la société, et notamment la confiance que la société donne à la science. La deuxième déclaration porte sur l'intelligence artificielle. C'est un sujet très important, là aussi, qui peut conduire à des modifications profondes de la société, et on voudrait avoir tous les bénéfices de l'intelligence artificielle et éviter les problèmes qu'elle peut poser. Et le troisième sujet, c'est celui de la science citoyenne, c'est-à-dire une science qui est développée non pas par les professionnels, mais par des citoyens, notamment grâce à l'Internet. Il s'agit d'évaluer ce type de science et il s'agit aussi d'éviter les problèmes que cela pourrait poser.